48 heures, il se passait un truc particulier, parce que le bateau était à Pont-la-Forêt, chez Mérajité, chez Monsieur des Joyaux, et maintenant il est devenu vendéen, sablé, on va dire. Il a été transporté par camion, ce qui est quand même délicat. Et puis la phase 1 des travaux du bateau est finie, c'est-à-dire que la phase de chantier structurel du bateau est finie. Tout le composite, toutes les modifications pour faire les feuilles ont été faites en Bretagne. Désormais, c'est à nous de jouer. Donc c'est le futur bateau d'Arnaud Boissy, alias Cali pour les intimes, sur lequel on vient de faire 4 mois et demi de chantier. On a enlevé le tableau arrière fixe et les safrans fixes qui étaient dessous pour faire un système de safran relevable comme on a maintenant sur ces bateaux-là. Et puis on a enlevé les dérives presque verticales qu'il y avait à l'origine et pour mettre des foils qui vont sortir sur les côtés. C'est la mode, les moustaches. Les foils sont même arrivés au chantier avant le bateau, puisqu'ils ont été livrés hier. Et on a donc enlevé les puits de dérive et changé la structure de pied de mât, puisque toute la structure et l'embase étaient partis avec le mât. Et après ces 4 mois de chantier, le bateau rejoint l'atelier d'Arnaud et de son équipe. Et maintenant, ils vont pouvoir réinstaller tous les systèmes à bord, le moteur, l'hydraulique, l'électricité, l'électronique. Le fait que le bateau soit au sable, ça concrétise le projet, effectivement. Ça concrétise le fait que, ça y est, la route est longue jusqu'à la route du Rhum et le prochain des Globes. Mais tant qu'il n'était pas au sable, tant qu'il était à Pont-la-Forêt, j'avais pas l'impression que c'était encore vraiment mon bateau. Là, maintenant qu'il est là, on va le prendre en main complètement, moi et l'équipe, tous les équipés. Tout le monde est équipé, du coup c'est un moment important, c'est un moment émotionnellement important aussi parce qu'il y a du monde qui est là et c'est un moment un peu délicat mais pour la sécurité du bateau et tout ça, mais maintenant on y est quoi. Et on a hâte de voir ça flotter, naviguer sous voile et j'espère aller très vite.